qu'il nous fallait dépenser. Donc du coup, il y avait peut-être aussi l'idée qu'on dépense un petit peu plus, parce que c'est pas cher, voilà. Ça peut être bien de dire, écoutez, on a tout donné, pourquoi je vais acheter maintenant. Une hésitation partagée par de nombreux consommateurs, puisque pour la première fois l'an dernier, les achats faits en promotion dans l'habillement dépassaient les achats faits en solde. Bonjour à tous. Gayatri. Et Gayatri, c'est pas la truche. Greux. Eh bien, bon. Oui, salut. Oh, que tu me connais, dis donc. Allez, viens, Gayatri. Elle est petite dans là, on dirait. Hein. Qui vient me voir, mais que c'est ma petite Jinka. Oui, allez, Galice. Galice, Gayatri, Jinka. Eh ben, dis donc, trois filles. C'est mon beau, faut qu'on trouve un prénom. 150 à la formation des chômeurs, embauche de 1000 personnes à Pôle emploi, autant de mesures d'urgence pour faire face à la gravité de la situation, mais qui ne répondent pas aux enjeux du long terme. Tout ça vaut pourtant des aujourd'hui pour assurer notre compétitivité. Et puis il y a ce projet de futures banques pour financer des PME industrielles. Oui, mais c'est déjà le rôle d'établissements comme OSEO, le Fonds stratégique d'investissement ou encore de la Caisse des dépôts des consignations. Est-ce réellement utile d'ajouter une structure à une structure? En fait, l'Élysée veut gagner du temps ici l'élection présidentielle dans un contexte budgétaire qui devrait être très très serré, fragilisé par la perte du PPA, alors que la défaite de ce sujet est une priorité nationale. Hier, le président de la République a préféré ménager ses interlocuteurs. Ce sommet social restera surtout marqué comme celui du dialogue avec les syndicats. Et le secrétaire général de la CFDT, François Chéret, a assez bien résumé la situation de la donne à sa sortie de l'Élysée hier. Avancée utile, mais inquiétude persistante. Merci, Mélanie Cunier, à demain. C'était... C'est un pantalon, ça. Ça ne donne pas à manger un pantalon. Grégor. Grégor. Salut bébé. Tu sais que tu t'appelles Grégor, toi, pas encore? T'as une bonne bouille. Hop là, viens me voir. Non, il y en a qui vous font quoi là, dans le pantalon. Ben, c'est pas moi qui t'ai dit d'y aller. Tiens, hein. Boulot. Eh ben, c'est toi, Jinka. Gayatri. Salut Vivi. Et que c'est ça, Gayatri? Ben non, j'ai pas Gayatri, c'est Gayatri. Gaya. Salut Vivi. Salut Vivi. Ouais. Voilà.
parti, attention. Ah, on n'est pas toujours plus sympa. Salut, toi. Tu es trop beau, hein. Toi, on va trouver un prénom Faizabad, hein. En H, que je me rappelle. J'en connais pas ton nom. Tu vas tomber, Calice.